Bonjour, je suis Sandra Charrère-Petit, professeure de management stratégique au sein de la faculté Jean Monnet, qui est la composante de sciences humaines et sociales de l'Université Paris-Saclay. Et je suis vice-doyenne de cette faculté en charge de la recherche et des écoles graduées ou graduate school. Alors, au sein de cette faculté, 150 enseignants-chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, mais aussi 140 doctorants qui sont accueillis dans les 6 laboratoires de la faculté, seront là pour vous faire cours. Ces 140 doctorants sont répartis au sein des 6 laboratoires que compte notre faculté, des laboratoires de recherche en droit, en économie, et management, en histoire du droit également. Donc une caractéristique majeure à laquelle nous tenons tous, quelle que soit notre discipline, c'est que la formation de la licence au doctorat soit adossée à la recherche. Concrètement, ça veut dire que l'ensemble des professeurs et des maîtres de conférences, mais aussi des doctorants qui assurent les TD que vous aurez en face de vous, sont des enseignants chercheurs. Alors, quelles recherches produisons-nous au sein de cette faculté? Nous produisons des recherches qui, chacune dans leur discipline, tentent de répondre aux 7 défis sociétaux qui sont ceux choisis par l'Université Paris-Saclay. Parmi ces défis, je vous invite à les retrouver sur le site web de l'Université, mais parmi ces défis, on va trouver santé et bien-être, des problématiques autour de climat, environnement, développement durable, transformation numérique et intelligence artificielle, mais aussi des questions de mobilité, de transformation industrielle, d'aéronautique et de spatiale notamment. Voilà, donc en conclusion, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir sur ce campus à compter de la rentrée et nous avons hâte de travailler avec vous.